parce qu'il a implémenté déjà une bonne gouvernance. La bonne gouvernance, nous allons mettre la main sur les infrastructures rurales. Nous allons mettre la main sur les infrastructures. Les infrastructures, on va mettre les points sur l'eau, les ponts et les routes. Chose qu'il a déjà commencé à faire. D'échange entre ce pays et notre pays. Je crois que dans les traités régionaux, dans les traités que nous avons avec nos pays voisins, tous les restes des pays bénéficient de ces choses, sauf nous. Simplement parce que nous avons un problème des permis qui ne nous permet pas cette mobilité facile. Et je crois que si ces choses sont résolues, nous n'aurons plus besoin de voir un Congolais qui cherche les Mbunda pour refuge dans ce pays. Ce qui nous empêche de nous organiser, c'est parce que nos institutions ne nous accompagnent pas. Cette fois-ci, nous disons, vous avez le droit, nous sommes derrière vous, mais n'oubliez pas ce que vous conditionne et ce qui vous donne cette confiance. Nous avons besoin de vous. L'avenir en Afrique du Sud devient de plus en plus sombre. La communauté est soumise à beaucoup de problèmes où le droit de la solution n'est pas motivé. Alors, c'est un exemple à Mouké. Que l'ambassade n'a pas de l'ambassade, il fallait m'expliquer sur ma problème, l'élection fait ça. Je vois une maman venir vers moi qui me soumet un problème. Elle me dit ceci. Papa, il y a une ambassade à Awa. Je suis un peu plus grand que moi, je suis un peu plus grand que moi. Alors, l'ambassade de l'Obi, pour faciliter la coupe, ça y est, il y a un lien. Pour nous, il y a un lien. Mais pour loger et pour faire des billets, il y a un capable d'être. Maman a écouté ma passe, à Zouine de Kouana, maman a un peu plus grand que moi, je suis un peu plus grand. Elle a 4 enfants. Elle s'est laissé ses enfants 4 et elle-même fait 5. A juste sous maman Moussoussou, n'a pas 4. Donc ça fait 5 personnes. 5 plus 5, 10. Là, je vais aussi m'en aller pour moi quand il va aller. Il faut se passer pour 4, bien 6. Donc, il va aller, nous devons à la salité. La femme n'a pas eu normalement, il y a eu ce temps pour la maille. La femme n'a pas eu ça. Pendant que nous avons un petit son enfant n'a pas besoin de maman n'a pas de rien. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans sa maison? Azaï n'a pas de 4, pas de bouton n'a pas bien. Si vous n'avez pas de 8, n'a pas maman n'a pas de ça fait 10 personnes. Est-ce que nous sommes la communauté tombe au réseau de l'Ouest? Non. Sauf que comme on n'est pas président Olivier Kalenga, ça va prendre du temps. Parce que la liste de Ouazanabo va trouver déjà plus de 8000. Nicolas a donné un message pour pouvoir voyager, oui, mais pour ça, c'est que l'avion ne reçoit jamais plus de 250 personnes, bien 300 personnes. Donc, la communauté a fait face à ma cabo, Oyo, elle, Mogo, Zao, les Kalabissons. Gamma, Rosséga, ils sont dans la Oyo, Rosséga, dans la Bélecteur, va voter président Didi Boudimbo. Vous avez profité d'un micro Oyo, officiellement, pour Emisaï, papa président. À travers la Fédération Afrique du Sud, sous Mabiso, n'a pas de problème, nous avons fait face à Awa. Il y a facile, non, il y a Moana, maman, Nazaré, Nabana, 4 et Abadou, à part Bananaïe, donc elle a 5 personnes à la maison, pour les oiseaux, on a un coup. Ceux qui présentent les guerres, ils disent, sous Mabiso, ils vont avoir la main. Merci beaucoup. Où et quand est-ce que, effectivement, est-ce que la communauté congolaise a été triée. Bon. Il y a eu un moment en Afrique du Sud où les Congolais étaient en train de combattre les statu quo
d'une manière un peu dispersée. À cette époque, moi par exemple, j'étais au Cape, puisque à Cape Town, j'étais étudiant à UCT, à l'université de Cape Town, où je faisais le Cambridge, et là, nous avions aussi notre association qui était Congolese Society, était enregistrée aussi avec le département de Social Development ici. Il y avait des combattants à Djogo, il y avait des combattants à Pretoria, des combattants à Durban, ainsi que dans d'autres provinces. C'est alors que les délégués viendront de par-ci par-là pour fonder le NCCD, le National Council of Congolese for Development, où le premier secrétaire général était Zayo. Actuellement, il est au Congo. Et après lui, c'était Baki. Et après Baki, c'est moi qui suis le président présentement. Donc c'est là où le NCCD est arrivé. Quels sont les objectifs du NCCD? Le premier objectif du NCCD est l'unité des Congolais. Les Congolais n'étaient pas unis. Parfois, nous agissions à travers le tribalisme ou à travers certaines petites histoires, juste par égoïsme, pour que nous ne puissions pas avancer. Par exemple, nous qui étions à l'université, on évitait certains Congolais, soit disant qu'on ne pouvait pas se mêler avec eux à cause des XYZ et tout ça. Au nom de toutes les femmes et des pays affligés, nous venons de remercier Maman Anita, qui est une femme comme nous, et toute son équipe du parti AMC Afrique du Sud, sans oublier leur président national, Didier Koudim, pour avoir choisi d'être du bon côté de l'histoire en soutenant le candidat de l'unité, le candidat de la prospérité et le candidat de la reconstruction de numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Nga en tant que fédéral de la jeunesse sportive Tshisekedi, awa la Santa Africa, message Zali Moko, Zali Polancé, la bande de Konangaï, Oyo, Bakozo, occasion à Konangama, la Congo, partout. Bon voter candidat, mon soucité, pour ça la confiance, ma excellence, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Azan de Konabiso Congolais, Azan a souci à développement et à Konabiso, Azan a souci à collaborer ensemble, na Biso Jeunesse. DRC Info, abonnez-vous. Abonnez-vous sur DRC Info TV. DRC Info, paix, justice et information.